Et nous retrouvons maintenant le cheval d'Arçon avec Eric Casimir, qui lui aussi était du voyage des championnats d'Europe à Brême, où il a terminé quatrième par équipe. Il est là à son agrès préféré. Et d'ailleurs, c'est lui qui détient le titre à cet agrès. C'était à Nantes l'année dernière. Voilà, transport vers l'avant avec beaucoup d'amplitude sur le Thomas. Et bien voilà qui est inhabituel chez Eric. Aïe, 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 aïe. On a coutume de dire qu'il est né sur le cheval car il tombe très très rarement. Il a un exercice aussi extrêmement compliqué. On a peut-être un peu de fatigue qui se fait sentir. Ouais. Une main un peu mal placée, l'appui qu'il n'a pas été cherché suffisamment vite. Allez, c'est reparti. On relance la machine. Transport vers l'arrière. Transport vers l'avant. De nouveau. Oh, la flexion de jambe trop importante sur le ciseau. Il y croit peut-être plus là, oui. Casimir. C'est sûr, après une chute, après une chute, il est toujours difficile de se remotiver, de se reconcentrer. Lorsque l'on sait que tous les espoirs se sont envolés. Dommage pour Eric, ça doit être une grosse déception car véritablement il excelle. C'est là, vous voyez. L'appui droit vient trop tard, le coude fléchi et l'homme est à terre. C'est là qu'on s'aperçoit de la difficulté de cet agrès, parce que tant qu'il reste sur le cheval, on ne se rend pas vraiment compte. Et puis là, une toute petite erreur, quelques millimètres,